Wesh, vous voyez ce truc? C'est des montagnes russes. C'est ce qu'on va faire vivre à des petits streamers de palladium. Par exemple, faire croire à cette streamer qu'elle a trouvé du palladium vert avant de la bannir. Là par contre, aujourd'hui, je me suis fait balayer par certains streamers dans la vidéo. C'est bien ça Fuse, c'est bien. C'est même parti en menace. Je suis une pute si je mets pas des TikTok haineux jusqu'à la fin de ce mois-ci sur Fuse. Pas de panique, tout est bien qui finit bien. C'est un petit peu mon rituel de début de saison. Bon, sinon pour que je cherche palladium sur Twitch, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. On est presque à mi-chemin de l'objectif des 3 millions d'abonnés avant la fin de l'année. Juste ici, visiblement, on a une team qui est en train de construire une base claim. En vrai, ils ont pas mal de stuff dans leur under chest, hein, mine de rien. Actuellement, ils font un truc extrêmement relou qui consiste à retirer la bedrock pour pouvoir construire leur base claim. Là où je suis un petit peu inquiet, c'est que ça se voit que c'est des joueurs qui connaissent assez bien Palladium. Ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher petit à petit le trou de bedrock jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte. Déjà, je vais juste remplir cette partie-là de leur sol. Le truc, c'est que juste ici, j'ai l'impression qu'elle est partie en minage. Pour l'instant, il y a juste Zaytrox là qui est dans leur base. Je ne me doute de rien. Sur le serveur, il y a un minerai qui est extrêmement rare, le minerai de palladium vert. Il a exceptionnellement été ajouté pendant les premières semaines de l'ouverture et vous pouvez le voir dans le menu F3 juste ici. Si j'offre du palladium vert comme ça, le staff va me buter. Avant sur palladium, il y avait les ghost blocks, mais pour je ne sais quelle raison, ils sont plus là. Désolé le staff, du coup, je vais le rajouter moi-même à la main. Alors hop, normalement ici, elle devrait passer par là. Mais what? Attends, elle tombe pas dessus? Mais c'est quoi cette malchance? Je crois qu'elle est littéralement passée à côté. Attendez, je vais juste utiliser une commande pour le retirer parce que sinon je vais me faire tuer par le staff. Là, elle est en train de dupliquer ses minerais, je vais plutôt lui mettre derrière. Attends, il faut que je rebouche pour pas que ce soit trop cramé. Je duplique juste mon minerai. Elle réagit pas? Mais attends, c'est une blague? Mec, j'ai un minerai de palladium vert. Quoi? J'ai un minerai de palladium vert. Je pense que personne n'en a encore sur le serveur. Pour vous dire, il y a personne qui en vend au market. Est-ce que c'est rare ou pas? Un minerai sur Minchunk, tu peux trouver. Bon, et là, je suis désolé. Vous voyez les montagnes russes? On va faire exactement ça. Est-ce qu'il se duplique? Je pense. Oh, j'ai une idée. Elle va le dupliquer là. Quand elle va le dupliquer, je vais lui retirer les minerais. En vrai, je sais même pas s'il se duplique. Parce que sinon, je le garde en minerai et puis je le vends comme ça. Moi, je pense qu'il se duplique objectivement. Vous savez quoi? Juste pour voir sa réaction, avant de lui reprendre, je vais lui en donner un autre. Je vais lui mettre juste derrière là. Bon, je sais même pas si elle va. Ah, si, elle l'a vu, elle l'a vu. Mais là, on me troll. Ah merde. Mais non, on me troll. Oh. Pourquoi on troll? Mais non, mais il vient de spawn devant mes yeux en fait. Ah, je vais la récupérer parce que là, ça va finir dans le drawer, je vais jamais le récup. Non, c'est de la triche. C'est pas bien. Je me suis dit, attends, mais c'est pas possible, j'ai rien. Ils sont devant moi après que je duplique. Mais vas-y. Oh, ça me brise le cœur. Ah, ils ont trop le seum, les pauvres. Et c'est que le début des faux espoirs aujourd'hui. Là, j'ai retiré mon vanish et je fais genre que je mine juste à côté d'elle. Bah, super. Génial. C'est pas gentil. Non, mais en plus, ils me narguent. Ils tapaient devant moi, ils sont là. C'est qui? Ah, ouais, non, mais. Quand tu oses. Juste ici, on a des joueurs qui sont en train d'XP leur métier de farmer. Je vais leur mettre un bonbon à déballer dans leur base. Pour rappel, ce bonbon, il leur donne 80 000 XP dans un métier au hasard. C'est énorme. Je vais le mettre juste ici et on va voir comment est-ce qu'ils réagissent. Plus AFK qui m'a donné un ballon à déballer. Attends, mais comment il a pop ici? Bah, à mon avis, c'est un admin qui l'a posé. Bon, il commence à se douter que je suis là. Mais... j'ai gagné un bonbon multicolore. Oh, il a le meilleur bonbon en plus. Vas-y, mange-le. 46 000 XP farmer. Oh, mais t'as chopé ça où? T'as chopé ça où là? Ils comprennent pas. Je sais pas. Le seul truc, c'est qu'il sait pas qu'aujourd'hui, c'est les montagnes russes émotionnelles. En échange de son bonbon, il va devoir survivre à un méga creeper. Ok. Aïe, 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 le pauvre. Oh, le pauvre. Oh non, 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 retourne-toi. Retourne-toi, frérot. Il va le voir. Il a chaud, il a chaud, il a chaud, ça va péter. Non, mais attends. Il a tellement de chance, il explose pas. Il est tellement concentré. Comment je peux m'enfuir avec deux comptes en même temps, en fait? Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Juste ici, il y a des joueurs dans une base claim qui font je sais pas trop quoi. Ce qui me fume, c'est que le streamer, depuis le début de son stream, il est en train de péter des câbles pour tout et pour rien. Ils sont en train d'essayer de crafter une amélioration qui s'appelle Big Hole. Ça permet d'améliorer sa pickaxe of the gods niveau 20 pour qu'elle farm plus vite. Il a déjà une pickaxe of the gods niveau 20, mais c'est un malade. Ah non, elle est niveau 18, bah il y arrivera pas. On va continuer dans l'ascenseur émotionnel et je vais lui mettre son amélioration juste à l'intérieur d'un drawer. Bon, en vrai, à tous les coups, il va pas la voir. Non, il la voit pas. Aïe aïe aïe. Il se rend pas compte que l'amélioration qu'il essaye de crafter, elle est juste ici. Putain, le pire c'est qu'il la voit dans son stream. Regardez, il est dans sa table de craft. Je vais casser la table de craft et je vais la reposer, on va voir ce qui se passe. Grinder frame et grinder casing. Grinder casing, alors. Il a pas compris. Il s'en fout. Bon, en même temps, tu me diras, le serveur bug tellement en ce moment que bon, il a dû se dire qu'il y a un problème. Ah, il utilise une autre table de craft là actuellement. Oh bah mince. Calme-toi, calme-toi, ça va se passer. Ah, il tape son pote. Mets dans le combo, ah, Chicao. Attends, attends. Ouais, il a des pop la table. Tu veux quoi? Ah, mais j'ai rien fait, j'ai même pas pété la table. Mais la table, mais pourquoi tu la casses la table?
Mais je l'ai pas cassé. Mais tu l'as dans les mains. Tu l'as dans les mains. Non, c'est celle que j'ai chopée en minage, mec. Mais oui, mais tu crois vraiment que je vais te croire ou quoi? Oh. Il est en train d'embrouiller son pote. Oh, tu fais exprès quoi? Oh, tu fais exprès quoi? Oh, tu fais exprès quoi la casser? J'ai rien fait du tout, j'ai rien fait du tout. Oh, tu fais exprès la casser? Je suis même pas sur mon palier, mec. Eh, tu la recasses encore une fois, je te tue. Okay. Vraiment, il va buter son pote. Regardez, je sais pas pourquoi il est en train de le buter là, j'ai rien fait. Fais gaffe, j'ai le truc de grinder sur moi. Non, arrête. Ah putain, pas besoin de d'ennemis quand on a des potes comme ça. Bon, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Là, mon objectif, c'est qu'il bute son pote avant la fin de la vidéo. Ok, là, ils sont en train de faire le grinder. Bon, bah, je pense que vous vous doutez de ce que je m'apprête à faire. Je vais prendre une pioche et je vais me tenir prêt à casser à chaque fois un bloc de leur structure. Ça va rendre le grinder inutilisable. Ah, mais c'est pas le streamer qui est en train de. Oh non, c'est dommage, c'est pas celui qui pète des câbles. Attends, je vais le casser. Hop. Arrêtez. Vas-y, il est pire que moi. Il troll ses potes. Et en vrai, c'est un master troller lui aussi, hein. Mais bon, écoute, c'est l'arroseur arrosé, hein. Et il comprend pas pourquoi il s'est pris un dégât, en fait. Il se pose même pas la question. Tu es en combat avec Fuse 3? Oh non! Attends. Je suis en live. Vous êtes en combat avec Fuse 3. Allez, on screen. Non! Quand vous rentrez en combat avec quelqu'un, ça vous affiche le nom de la personne avec qui vous êtes entré en combat. Ah! C'est dommage, il pétait tellement des câbles sur ses potes, c'était trop drôle. Fuse, je viens te défendre, toi tu me tapes. Espèce. Tiens, mais il a l'insulte trop facile, lui. Ça va pas du tout avec la petite musique chill de son stream, là. Bon, je vais leur mettre un petit coup de presse. Non, il va poser une tila. Attends, petite Dina, elle est en stress là. On va finir sur une petite masterclass, c'est-à-dire un ban pour voir sa réaction. Il est plié par là. Voilà les gars, et voilà. Ah la tête. Bien joué mec. Je fais toutes mes heures de Minecraft en live et il dit que je duplie, que je cheat. C'est bien ça Fuse, c'est bien. Et voilà, définition d'une. Ouais, fallait bien un moment où ça dérape. Hein. Il est excellent lui. Mais en fait, il croit vraiment que je l'ai vrai. En fait, à aucun moment il se dit que c'est un troll, c'est incroyable ça. Mais il essaye même pas de se reconnecter. T'es sûr de vouloir continuer Twitch? Vraie question. Parce que t'as que 2 millions d'abonnés, rappelle-toi. Ouais, il me flex dessus, mais frérot, fais pas le malin. T'en as combien? T'en as 1900. Mais je te conseille de me déban. Ah, il met de la pression. Mais non, mais il est trop marrant. Mais demain, quand Gotha fera un TikTok sur toi, je suis pas sûr que tu lui referas la même chose. Il a pas joué la saison. Mais même son chat, il le prend pas au sérieux, je suis désolé frérot. C'est du troll pour admin série. C'est quoi ça? Aïe. C'est une série. Il se rend compte que c'est le dindon de la farce. Gens, Bah super ça Fuse, hein. Il fait une vidéo pour YouTube. Ah le haussement de sourcil. Oh là là. Bah Fuse franchement 14 ans en haut, hein. Peut-être que l'année prochaine je n'en ai 15. Abonnez-vous pour le savoir. Je suis une pute si je mets pas des TikTok haineux jusqu'à la fin de ce mois-ci sur Fuse, ok? Mais c'est un malade. C'est un malade, je vous avais dit. Allez, on veut rigoler. Ah non, il a vu qu'il était déban. Je préfère ça quand même. Ah ouais, bah si, je suis désolé. Hein. Ah, je vais lui faire des excuses. En courrier recommandé. Bon, en vrai, il était vénère. Si j'ai bien compris, c'est un ancien joueur pro de Call of Duty qui est pote avec Gotaga. Sur le coup, il a vraiment pas kiffé mon troll. Mais ensuite, il est venu sur TeamSpeak, on a un petit peu discuté et tout est rentré dans l'ordre. Donc, bah, big up à lui. Je suis une pute si je mets pas des TikTok haineux jusqu'à la fin de ce mois-ci sur Fuse, ok? Allez, juste pas l'embêter, il a dit ça sur le coup de l'énervement, il est très sympa en vrai. Mais sur ce, on va forcément quitter là-dessus. Je prévois plein de nouvelles admin series. Donc, si vous voulez pas les rater, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, la glace au chocolat. Salut tout le monde. C'était Fuse, à la prochaine, à plus.